Il a appelé Eliezer de Damas béni de l'Éternel. Pourtant, si tu es esclave, c'est que tu es sous la malédiction de Noé. Mais ce jour-là, la malédiction de Noé avait été brisée. Il n'était plus maudit, mais il était béni de l'Éternel. Pourquoi béni de l'Éternel? Parce qu'il était sous la couverture d'un homme qui devait être source de bénédiction pour les nations. Il était sous la couverture d'Abraham. Peu importe la malédiction qu'il y a sur vous, quand vous êtes sous la couverture d'un homme qui est béni de l'Éternel, toutes sortes de malédictions se changent en bénédictions. Ah, amen. Que Dieu bénisse son peuple. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le vendredi, nous avons parlé de la lumière des pères qui a été bénie. C'est un enseignement très important. C'est une notion très, très importante pour les enfants de Dieu, pour l'Église. Quand Dieu met au-dessus de vous un père, c'est la plus grande bénédiction. Un homme qui n'a pas de père, il subit beaucoup de choses dans cette vie et sur cette terre. Je disais un jour à mes enfants spirituels à l'église, si vous voyez qu'on appelle quelqu'un la stérile, la célibataire, le chômeur, si vous voyez qu'on appelle quelqu'un le mal-aimé ou la mal-aimée, c'est juste que cette personne n'a pas de père. Quand vous n'avez pas de père, n'importe qui peut vous donner un nom. Mais quand vous avez un père, même quand des hommes veulent vous donner un nom, ils sont obligés d'attendre votre père. La Bible dit que quand Jean est né, tout le monde voulait lui donner un nom. Mais Élisabeth a dit non, personne ne peut lui donner un nom, il faut qu'on attende son père. C'est son père qui doit lui donner ce nom. Donc peu importe les noms que les hommes vous donnent, tant que votre père n'a pas changé ce nom, tant que votre père ne vous a pas donné un nom, ce que les hommes vont dire sera zéro. Ancien Testament. Dans le livre de Genèse, la Bible dit que Noé a maudit l'un de ses petits-fils. Il a dit, Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Vous êtes d'accord avec ça? Nous avons tous lu ça dans la Bible. Et quand il a fini de dire ça, tous ceux donc qui sont esclaves dans la Bible sont descendants de Canaan parce qu'ils sont sous la malédiction de Noé. Et Abraham avait un serviteur qu'on appelait Élisée de Damas qui était esclave d'Abraham. Il était lui aussi sous la malédiction de Noé. Donc une malédiction pesait sur lui. Mais le jour que Abraham a envoyé Éliezer de Damas pour aller chercher une femme pour Isaac, la Bible dit qu'il a dit à Éliezer de mettre sa main sous sa cuisse et de jurer de ne pas ramener l'enfant. En réalité, Éliezer n'avait pas l'autorisation de prier le Dieu d'Abraham. C'est le fait que Abraham l'ait fait entrer dans son intimité qui lui a donné cette procuration. Parce que entrer dans l'intimité et sous l'alliance d'un père est une sorte de procuration. Donc il a eu l'autorisation de parler au Dieu d'Abraham. Et quand il est arrivé dans la maison de la famille de Rebecca, la maison de Bethuel, il était au puits où les jeunes filles s'en vont puiser de l'eau. La Bible dit qu'il a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, si tu es bon avec mon Seigneur Abraham, je veux que tu me fasses grâce. Que la jeune fille qui va venir, à qui je vais demander de me donner de l'eau à boire et de me donner de l'eau à boire et qui me donnera de cette eau et qui donnera aussi au chameau sans que je ne lui ai demandé, que ce soit celle que tu choisis pour ton serviteur Isaac. La Bible dit qu'il n'avait même pas encore fini sa prière que sortit Rebecca, fille de Bethuel, avec sa cruche sur ses épaules. Je vais aller loin, mais je vais te dire une chose. Cet homme n'avait pas encore fini sa prière que Rebecca est sortie. Il n'a pas encore fini de parler que Rebecca est sortie. Anouka sera pas encore fini que tu recevras ton exaucement. Anouka sera pas encore fini que tu recevras l'exaucement à toutes tes prières. Tu n'auras pas encore fini de prier dans Anouka que Dieu va t'exaucer toutes tes prières. Tu n'auras pas encore fini ce jeûne que Dieu t'exaucera à tous les niveaux. Il t'exaucera pour ton ministère. Il t'exaucera pour tes affaires. Il t'exaucera dans tes finances. Il t'exaucera pour ton enfantement. Il t'exaucera pour n'importe quel sujet de prière pour lequel tu élèves la voix vers Dieu. Celui qui dit amen plus fort que son voisin reçoit cela. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Et la Bible dit que Rebecca est sortie. Quand Rebecca est sortie, elle a fait textuellement la prière qu'il avait adressée à Dieu. Et quand elle a fait, il a sorti un bracelet en or qu'il lui a mis au poignet.
Il a fait sortir un anneau en or qu'il lui a mis au nez. Quand Rebecca a vu ça, elle a couru pour rentrer chez ses parents. Et quand elle rentrait, son frère l'a vu. Le frère de Rebecca, c'était Laban. Quand Laban a vu cela et il a entendu ce que Rebecca racontait à son père, la Bible dit que Laban est sorti pour trouver Eliezer de Damas dehors. Et vous savez comment est-ce qu'il a appelé Eliezer de Damas? Il a appelé Eliezer de Damas béni de l'Éternel. Pourtant, si tu es esclave, c'est que tu es sous la malédiction de Noé. Mais ce jour-là, la malédiction de Noé avait été brisée. Il n'était plus maudit, mais il était béni de l'Éternel. Pourquoi béni de l'Éternel? Parce qu'il était sous la couverture d'un homme qui devait être source de bénédiction pour les nations. Il était sous la couverture d'Abraham. Peu importe la malédiction qu'il y a sur vous, quand vous êtes sous la couverture d'un homme qui est béni de l'Éternel, toutes sortes de malédictions se changent en bénédictions. Je veux changer les malédictions ancestrales, les malédictions cycliques en bénédictions. Je veux briser tous les cycles de malédictions et je veux les transformer en bénédictions sur toi. Je ne connais pas la malédiction qui pèse dans ta famille. Je ne connais pas la malédiction contre laquelle tu pries dans ta famille. Mais à partir d'aujourd'hui, comme tu es sous la couverture d'un homme qui est béni de l'Éternel, tu n'es plus maudit dans ta famille, mais tu es béni de l'Éternel. Je prophétise et je déclare et même je décrète sur toi que tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel en février. Tu es béni de l'Éternel en mars. Tu es béni de l'Éternel en avril. Tu es béni de l'Éternel en mai. Tu es béni de l'Éternel en juin. Tu es béni de l'Éternel en juillet. Tu es béni de l'Éternel tous les 12 mois de l'année 2024. Tu es béni de l'Éternel dans ton foyer. Tu es béni de l'Éternel partout où tu mets les pieds. Au nom de... La couverture spirituelle. Il y a quelque chose qui a changé dans mon ministère depuis que je suis sous la couverture de mon père spirituel. C'est la bénédiction matérielle et la bénédiction financière. Alléluia. Depuis que je suis sous sa couverture, il y a des montants que j'avais arrêté de toucher. Mais aujourd'hui, je touche des offrandes. Quand moi-même je regarde les offrandes, j'ai des palpitations, mon cœur bat très vite et des fois, mon parler en langue change tout seul. Je commence à avoir un parler en langue anglophone. Alléluia. Parce qu'il y a des offrandes qui changent le parler en langue. Quand quelqu'un avait l'habitude de parler en langue, il y a des offrandes, quand ça vient, ça commence. Quand tu commences à parler en langue, c'est le Mayon de Bray, Mayon de Fire, des fils de Jesus. Parce qu'au fait, l'offrande là a changé quelque chose. Et depuis que je suis sous sa couverture, je suis un béni de l'Éternel. Amen. Et toi aussi, parce que tu es sous sa couverture, yes. Tu es un béni de l'Éternel. Amen.